Priscilla Morales et vous êtes sur Morning Kiss, l'institut français du coaching amoureux. Et aujourd'hui, j'ai très envie de répondre avec vous à l'épineuse question du qui doit donner le numéro de téléphone à l'autre. Admettons que vous avez rencontré une fille, vous l'avez abordée, vous discutez avec elle. Et du coup, vous vous demandez qu'est-ce que je fais? Est-ce que je lui donne mon numéro de téléphone ou bien est-ce que je prends son numéro de téléphone je me permets donc de l'appeler plus tard. Alors, dans une précédente vidéo, je vous donnais une astuce très simple pour prendre le numéro de téléphone d'une fille et donc je vous expliquais que l'astuce consistait d'abord à prévoir un événement ou une occasion ultérieure pour se revoir et ensuite de proposer forcément puisqu'elle est d'accord pour cet événement ultérieur de prendre son numéro de téléphone et normalement si elle est d'accord pour vous revoir ultérieurement dans le cadre d'un événement ou d'une occasion, elle devra en toute logique accepter de vous donner son numéro de téléphone. Cela répond partiellement à la question, je vous recommande très fortement de prendre directement son numéro de téléphone. Pourquoi ? Pour une raison très simple, c'est que si vous êtes normalement une personne qui prend sa vie en main et son destin en main, vous ne devriez pas avoir peur ni honte d'affirmer votre désir ou la nécessité de revoir quelqu'un. Vous avez tout à fait le droit d'assumer le fait d'avoir envie de revoir une fille. Vous avez tout à fait le droit d'assumer le fait que pour revoir une fille, il faille prendre ses coordonnées. Et dans tous les cas, libre à elle ensuite de ne pas vous donner ses coordonnées ou d'invoquer une excuse plus ou moins valable ou plus ou moins bidon de ne pas vous donner ses coordonnées. Auquel cas, je vous invite à respecter son désir de ne pas vous donner ses coordonnées. Voilà, je pense avoir répondu à cette question. Moi, dans tous les cas, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt sur Morning Kiss.